copper. He ain't have a lot of money, but he taught me how to keep the perfect posture. So folding under pressure, that ain't something that I'm about to. Crabs in the barrel, I'm just trying to be a lobster. I hit my cousin, told him to call. It's been 12 years and I ain't heard from him at all. Had a little fallout over some money. Damn, ain't it funny how the smartest people be beefing like they some dummies. But I hope you doing swell now, hope your family well now. We still believe in Ronnie, gonna make his way out of jail now. My little bro tripping too, but this time he ain't making bail now. 18 doing 20, that math straight out of hell now. Sorry for all the small talk. It's the only weapon I got for this depression I got. Trying to find a way to get back all these blessings I blocked. Gotta help my mama cause she still been stressing a lot. It's hard to find the sunshine when it gets cloudy. So when I put on a smile, I wear it proudly. Don't know where the future's going, but I know it can't go on without me. That's real talk, look. Sometimes I make mistakes in my life, but I'm trying so hard to make it right. Even though sometimes I make mistakes in my life, life goes on and on and on and on and on. Yeah, sometimes the silver lining don't look quite silver. Sometimes you a Fred and sometimes you a Wilma. Life hand out lemons and I'm making lemon meringue. Come have a slice if you feeling the same, man. I hope my ex still ain't feeling the pain. She had one heart and I broke it a million ways. I got a daughter now and it's driving me really insane. Cause somebody could do to her what I did back in the days, ay. And keep your head up, baby girl, it gets better. And even if it don't, I'll be right here to protect you. And keep your head up, baby girl, it gets better. And even if it don't, I'll be right here telling you life goes on. Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau show proposé par vous en collaboration avec le Standard de Liège. Bon, je regarde déjà du côté du chat, vous êtes déjà énormément. Salut à toi Martin, salut Benjamin,
Salut Leandro, salut Tom, salut Dervin, salut Mathieu, salut Jérôme. J'ai vu qu'il y avait quelques supportrices aussi. Ça fait super plaisir de vous voir, franchement, pour cette première. Ça fait vraiment plaisir. Bon, les gars, c'est quoi le talk RSCL? En fait, chaque mardi soir, eh bien, c'est très très simple. On va vous proposer de réagir, de laisser des commentaires, de débattre avec nous sur l'actualité du Standard. Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est via le chat. Donc, je dis bonjour à Quentin, je dis bonjour à Fireblack, à Starboy, le Liégeois, Mathieu. Pff, ça défile, il y en a tellement. C'est super, ça fait vraiment plaisir. Donc, du coup, il y a la possibilité du chat pour réagir, mais aussi la possibilité de laisser des commentaires en vidéo. C'est la nouveauté. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui est beau dans le talk, c'est que vous pourrez avoir la possibilité de laisser des commentaires vidéo sur l'adresse qui va s'afficher juste en bas de l'écran, letalkrsl@gmail.com. Vous l'avez compris, vous êtes au cœur de l'émission, on a besoin de vos réactions et puis une fois qu'on aura récupéré toutes vos vidéos, ben on pourra les poster et on pourra les diffuser dans les prochains numéros et on pourra peut-être en débattre. Alors il y a plusieurs séquences hein, dans ce show, il y aura de la revue de presse. Vous le savez, vous avez probablement vu les teasers, il y aura des invités. Alors, il y aura des joueurs, des entraîneurs, des jeunes de l'académie, mais aussi des collectivités de supporters, des collectifs de supporters, bref, tout ce qui est lié de près ou de loin au Standard. Bon, les gars, j'arrête de parler dans cette introduction. Je passe directement à la première séquence de ce premier numéro du talk. C'est l'invité, vous l'attendez tous, c'est le rouge du soir. C'est parti, bienvenue dans le talk. Ouais, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir ce soir pour ce premier numéro. Le rouge du soir, c'est Noé Dussène. Salut Noé. Salut à vous, salut à tout le monde. Ben, je vois sur le chat, ouais, je dis bonjour à Nico, à Chloé, à Michoum, à Sandra, à Christelle. Bon, Noé, t'as un peu vu hein, le teaser. Bienvenue dans le talk. T'as regardé hein, le teaser, t'as vu. Bon, t'en penses quoi de mes prestats de coach? Pas mal, non? Ouais, c'est pas mal, sauf à la fin, tu me cries un peu dessus, j'ai moyennement aimé, mais bon, après je t'en veux pas, j'avais fait une boulette, c'est pour ça que m'a crié dessus. Ouais, j'ai voulu tester un peu, ça me rappelle un peu les coachs de provincial, tu sais, qui gueulent, sont genre Noé. Bah, bref, Montagnier, il crie pas comme ça, rassure-moi. Non, le coach, il donne plus des consignes, il crie pas trop, il est plus dans la philosophie, il parle aux joueurs, il crie pas trop. Tu veux pas quand même nous dire sur qui il crie à l'entraînement? Non, franchement, il crie pas trop, c'est quelques joueurs. Je vais écrire un peu sur Nicolas Raskin, parce qu'il n'obéit pas toujours, il faut le remettre à l'ordre, c'est pour ça. Ah ouais, Nico. Nico, si tu nous regardes, en tout cas, j'espère que ce que Noé dit est vrai. Il faut être concentré, Nico. Non, blague à part, Noé, ben voilà, bienvenue dans le talk. On le voit ici, il y a énormément de supporters du Standard qui te disent bonjour. Les supporters, ils manquent cruellement, hein, Noé. Clairement, c'est une situation triste, même pour nous, dès qu'on monte sur le terrain, voilà, ce clessin est vide, ça nous manque. Il manque cette chaleur, cette aménosité avant les matchs qui nous fait nous surpasser. Pour le moment, c'est vrai qu'on ne l'a pas. Mais voilà, bon, j'espère vite les retrouver en 2021. Ce serait le top dès janvier, si on peut les retrouver, ce serait le feu. Et comme ça, on peut terminer la saison en boulet de canon, parce qu'on sait qu'avec nos supporters, avec nous, ils vont pousser et en plus là ils se sont reposés pendant 6 mois, donc je pense qu'ils vont être bien chauds pour la fin du championnat, donc j'espère de tout cœur qu'ils vont être là. Et ça, tu peux le dire, on en a besoin de ces supporters, ils sont déjà là comme je le disais dans le chat, d'ailleurs vous pouvez réagir, poser vos questions, Noé est là pour y répondre. Je pense qu'on a déjà une question de Tom, santé à JJ Titi qui salue Martini Rosso, t'en penses quoi Noé? Apparemment, Gigi Titi, tu dois connaître. Bon, c'est pas grave, on va prendre une autre question. J'avais vu dans le chat, on demandait des nouvelles de Zinho. Comment il va, Zinho? Ça va, Zinho est venu nous voir ici après le match. Donc ça va, il remarche déjà. Donc c'est déjà une bonne chose, parce que c'est une grosse, grosse blessure. C'est très long, mentalement très difficile. Mais voilà, je vois le mec, il est déterminé, il est acharné. Et c'est qu'avec le travail qu'il va revenir encore plus fort qu'avant. Il y a plein de réactions. En fait, beaucoup t'aiment, hein, Noé. J'ai par exemple Jérôme qui dit... Moi aussi, je les aime. Mais il y a Jérôme qui dit bravo à toi pour ton début de saison. C'est vrai que tout se passe bien pour toi, hein, Noé. On a l'impression que voilà, cette grosse blessure que t'as eue l'année passée, ben, ça t'a reboosté et ça t'a mis vraiment dans de bonnes conditions aujourd'hui. Ouais, je touche du bois. Pour le moment, ça se passe très bien personnellement. J'aimerais mieux peut-être que voilà, qu'on ait un peu plus de points. Ce serait mieux. Mais voilà, moi j'ai eu une année galère, difficile. Je fais un match directement, je l'ai croisé pendant 9 mois, je fais une rééducation. Puis voilà, il y a eu le Covid, j'ai dû aller courir tout seul pendant 3-4 mois quand c'était le Covid. J'ai dû aller courir.
faire de la musculation, m'entraîner tout seul, c'était le plus difficile. Mais je me suis dit, voilà, quand je courais intérieurement, je me dis, voilà, fais-toi mal maintenant et tu vas être récompensé plus tard quand tu vas jouer, il faudra rien lâcher. Pour le moment, c'est ce qui m'arrive, j'ai la chance de prester pour le moment. Donc voilà, c'est un peu le résultat du travail que j'ai fait dans l'ombre et aujourd'hui on le voit. Bon, il y a déjà une question. Ça fait quoi d'être le joueur qui sort du lot? C'est une question de Jérôme. Oh, voilà, pour moi, je suis pas le joueur qui sort du lot. J'aime mieux être, comme j'ai dit, un joueur de l'ombre, un joueur qui bosse derrière, qui arrache des ballons, qui travaille pour les autres. Et j'aime mieux que les autres soient en valeur, comme voilà, je prends l'exemple de Nicolas Raskin. Voilà, j'aime mieux que lui soit en valeur, lui soit là sur la première page. J'aime mieux qu'un attaquant mette un triplé, homme du match, l'attaquant ou quelqu'un qui est décisif. Moi, je suis là pour voilà, pour faire mon job, pour ramasser les ballons derrière, pour relancer le plus proprement possible. Et j'aime mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui soit en lumière qu'un défenseur, parce que voilà, une équipe, nous on défend, mais eux sont là pour produire du beau jeu, pour du spectacle. Comme quand Mehdi rentre ici, ben on voit que voilà, le mec il a les jambes en feu pour le moment, donc Ouais, justement, c'est positif pour nous. on en parlera de Mehdi tout à l'heure. Je voulais revenir sur Nicolas Raskin. Non, il faut que tu m'expliques un truc. Bon, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques temps, tu as fait un challenge de coup franc. On va lancer la vidéo pour les internautes qui nous regardent sur YouTube et Facebook. Tu as fait un concours, enfin un challenge de coup franc. Et qu'est-ce qui s'est passé, Noé? Tu as laissé gagner Nico? Parce qu'il faut le dire, Nico a gagné Voilà, tu le as vu le mot challenge. juste. En fait, à ce moment-là, moi, je ne jouais pas. Et Nico, c'était ses débuts. Donc, tu te doutes bien qu'il fallait le mettre en confiance. Il a 19 ans, il n'avait Ouais, pas encore je beaucoup vois bien. joué. Donc, je ne pouvais pas. Tu vois, en plus, je savais qu'il y avait avoir du monde qui allait réagir, qui allait voir ses vidéos. Je ne pouvais pas vraiment le tuer devant tout le monde. Donc, j'ai dit, vas-y, je vais te mettre en vitrine, tu vois, il faut que tu brilles. Donc, voilà. Mais ouais, on voit que tu le laisses gagner pour lui faire plaisir. Mais blague à part, on sent cette complicité avec Nico Raskin. D'ailleurs, avec tous les autres jeunes aussi, on sent que tu es proche d'eux. En fait, j'ai toujours dit, moi, quand j'étais jeune, je traînais avec des personnes plus âgées. Donc, voilà, moi, j'ai commencé à Mons, il y avait Benjamin Niquez qui était là, il y avait Cédric Berthelin qui était des plus anciens. Et j'ai toujours été près des plus anciens. Je ne sais pas pourquoi, je ne traînais pas beaucoup avec les jeunes, mais plutôt avec voilà, les plus anciens. Et ils me donnaient toujours des conseils. Et ces conseils, je les ai toujours pris. Et aujourd'hui, bah, j'essaie de reproduire la même chose que, voilà, avec Nicolas Raskin, je suis vraiment proche de lui parce que je l'ai déjà connu quand on était à Gand. Donc, j'essaie toujours de lui donner des conseils, même à tous les jeunes, d'essayer de donner des conseils, d'éviter les pièges, parce que maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, c'est tellement vite de s'emballer et de se faire choper derrière. Hier, tu as fait ça, il fallait pas faire ça, toutes des choses comme ça. J'essaie toujours de les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils apprennent du métier, parce qu'ils sont tout nouveaux là-dedans. Et voilà, il y a plein de dangers, il faut faire attention à son corps, c'est son petit travail. Et c'est ce que j'essaie de leur montrer chaque jour. Mais du coup, tu dis quoi par exemple concrètement à Nico qui voilà pète des flammes en ce début de saison pour qu'il reste calme, etc. Tu lui dis quoi? C'est quoi les conseils concrètement? Ben, pour l'instant, il l'apprend très vite parce que voilà, je lui disais beaucoup dans ses débuts de match. Mais si maintenant, ben, voilà, Nico, il commence à grandir, 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 il prend de la place au standard. Et aujourd'hui, ben, tout ce qu'il fait, c'est il le doit à personne. C'est juste à lui, c'est son travail. Il a travaillé très dur aussi pendant le confinement. Parfois, on s'entraînait aussi à deux. Tout ce qui est technique, tout ça, ben, voilà, il doit rien à personne. Il a bossé. Et pour le moment, ben, voilà, il faut surtout qu'il garde les pieds sur terre. Mais pour l'instant, voilà, ils sont bien là et qu'ils continuent à bosser, pas se prendre la tête et se dire chaque match il doit prouver, 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 et pour l'instant il le fait très bien. Ouais. Vous êtes vraiment énormément sur le chat à poser des questions. On vous promet d'essayer de lire la plupart des questions. Bon, il y en a tellement. Bon, n'hésitez pas, on vous rappelle, il y a le site internet letalkrcl@gmail.com pour laisser des commentaires en vidéo aussi. On tentera d'y répondre dans les prochains numéros. Il y avait une question plutôt taquine de Charles qui disait, bon, est-ce que tu penses mettre plus de goals que Arnaud Bodard? Ah, j'espère, quand même. Ouais, j'espère, hein, parce que Arnaud nous a sauvés, mais voilà, j'espère mettre. Je vais essayer d'avoir 3, voire 4 buts cette saison, ce serait bien. Ce qui est fou avec toi, Noé, parce que voilà, j'ai eu l'occasion de te rencontrer quelques fois pendant tes matchs et tes entraînements, c'est qu'il y a ce côté, malgré la pression, l'enjeu, etc., je trouve que tu es quelqu'un de très calme, très posé et aussi très famille. Parce qu'il faut quand même l'expliquer, on a eu l'occasion d'en parler, parce que peut-être que peu de gens le savent. Tu as eu une expérience à l'étranger, tu aurais peut-être pu aller encore bien plus haut, mais tu as préféré revenir en Belgique pour être proche de tes proches. Et c'est ça qui fait un peu ton caractère, je trouve aussi. Oui, en fait, j'ai eu cette éducation-là que voilà, tout ce qui m'arrive maintenant, c'est du bonus. Je ne me la pète pas parce que maintenant, je suis joueur du standard. J'aurais pu me la péter quand j'étais en Italie, mais voilà, je suis quelqu'un de très humble. Tout ce qui m'arrive, comme je dis, c'est du bonus. Je prends ça
Voilà, avec recul, je me dis que pour l'instant, tout est beau, tout flamme, mais à tout moment, ça peut s'éteindre. Et voilà, il ne faut pas se la péter parce que tu es joueur de foot pour le moment. C'est vrai qu'en Italie, j'aurais pu continuer en Italie, mais après, voilà, moi, quand il y a quelque chose qui me manque, je ne me sens pas bien. Donc, j'avais envie de revenir près de ma famille, près de mes amis. Moi, je suis quelqu'un comme ça, voilà, je dois tout le temps être en contact avec ma famille, avec mes amis. On est fort famille. Et je trouve que c'est le plus important, c'est. Si on se sent bien dans sa tête, après le corps va suivre et pour l'instant, c'est ce qui se passe. J'ai vu une autre question, plutôt, bon, on connaît, hein, les objectifs, mais peut-être tu peux le rappeler, les objectifs des Rouges, cette année, cette saison, ben, forcément, c'est les playoffs. Les playoffs. Ouais, c'est clair, on veut être dans les playoffs, les assurer le plus vite possible. Mais voilà, et pour l'instant, c'est vrai qu'on traverse une passe un peu plus difficile, on ne gagne plus. Mais dès qu'on va faire une grosse série, ben voilà, on va remonter. On connaît nos qualités. On sait qu'on peut développer encore du meilleur football que maintenant. Mais voilà, je pense que je suis pas du tout inquiet. Le club vit bien. Il y a une excellente atmosphère dans l'équipe. L'ambiance est bonne. Il y a une bonne cohésion avec le coach, avec la direction. Tout se passe bien. On a les meilleurs supporters. Pour l'instant, on ne les a pas. Mais dès qu'ils vont être avec nous, ça va être un plus. Donc franchement, je pense qu'aujourd'hui, on peut voir que du positif dans cette équipe. Il n'y a que des messages positifs. Majo, Fabrice, Noé, t'es le meilleur, on t'adore, etc. Mais purée, t'as bien fait de venir dans cette première émission, hein, en tout cas. Merci, ça me fait plaisir en tout cas. Ça me fait plaisir, c'est gentil. Y a Guerlain quand même qui te pose la question de savoir qui est le plus précis dans les longs ballons, toi ou Costas? Bon, il n'y a pas de compétition entre nous parce que voilà, lui il est à gauche, moi je suis à droite. Donc pour les renversements, c'est vrai que je suis plus Bah, facile sur mon pied tu droit, peux dire mais. toi. Voilà, Costa, elle a une bonne frappe. Moi, j'ai un bon long ballon, j'ai une bonne frappe aussi. Non, je pense qu'on s'équivaut, on se complète. Voilà. Continuez à réagir. Alors, il y a plein, je regarde sur le chat. Marguerite, une bonne recrue. Noé, félicitations. Laurent qui pense, te sens-tu dans la forme de ta vie? Parce qu'on peut dire ça, on en a déjà un peu parlé, mais Dans la voilà, forme de on a ma un vie, peu ben, quand je me sens très très bien, mais je pense que je peux encore apporter plus. Je peux encore apporter plus offensivement. Je peux encore. Parfois, quand il y a des ballons chauds, les dégager. Parfois, je veux trop bien jouer, trop jouer proprement. Mais ouais, je suis dans une grande forme. Mais bon, l'appétit vient en mangeant et j'ai faim, donc je vais m'améliorer encore. Bon, Noé, je me dois quand même de. Parce qu'il faut savoir, hein, vous qui nous regardez sur YouTube et Facebook, il y a quelque temps, Noé m'a donné son 11 de rêve. Alors, j'aimerais bien que le chat réagisse et me mette un pouce levé pour savoir si vous validez son 11, son 11 de rêve. Bon, on le dit d'entrée de jeu, tu t'es pas mis dedans. Bon, t'aurais dû te mettre, hein, Noé. Bon, je précise, c'est un 4-4-2. Donc, je vais voir des pouces levés si vous êtes d'accord avec Noé. Hein. En gardien, le 11 de rêve de Noé Duchesne, c'est Neuer, l'allemand. Du côté droit, donc Dani Alves. En défense centrale, Ramos, Koulibaly et à gauche Marcelo. Kroos, Thiago Alcantara. Sur les ailes, Hazard, Messi. Et devant, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Tu Ok, valides toujours ton choix? Marcelo joue un peu moins pour le moment, mais bon. Bon, il y a Nectos qui dit pouce levé, Nathan qui dit pouce en bas. Tiens, Nathan, pourquoi? Vas-y, explique-nous pourquoi, Nathan, t'es pas d'accord avec le choix de Noé. Bon, c'est vrai, Noé, moi j'aurais pas mis Mbappé, hein, désolé. Contentieux, voilà, Mais avec lui. je te l'ai dit ça il y a 6 mois déjà. Donc peut-être que ça À quoi ça a évolue. Les changé alors? joueurs performent un peu moins bien, mais voilà. On ne sait pas ce qui se passe dans leur vie privée. Marcelo un peu moins bien, Mbappé un peu moins bien, mais. Dans l'ensemble, c'est pas mal quand même, c'est costaud. Une grosse équipe, hein. Ben oui, je tiens juste à préciser parce que c'est vrai que ici dans le talk, on est très sympa. J'ai oublié de vous le dire sur le chat, c'est pour ça que vous devez rester jusqu'à la fin de l'émission parce que Noé va rester jusqu'à la fin, donc il n'y a pas de raison de partir avant. Et en plus de ça, vous aurez la possibilité de gagner un super cadeau. Je l'ai vu, c'est un truc de dingue et ça a un rapport avec Noé. Donc j'en dis pas plus, je vous en parle à la fin de l'émission, donc restez bien connectés. Qu'est-ce qui se dit du côté du chat? Jordino qui demande Noé est plus Paris ou Marseille? Pff, la question piège, hein. Marseille, c'est chaud, hein. Ça se rapproche du standard, hein. Marseille, c'est le chaudron. Ah, j'aime bien. En fait, j'ai pas d'équipe type, moi. J'ai d'équipe préférée, j'en ai pas beaucoup. J'aime bien les belles équipes. Donc, pour l'instant, Paris joue bien. Marseille, plus pour les supporters. C'est un peu kiff-kiff pour moi. J'ai pas vraiment d'équipe favorite sur ce coup-là. Ben je vois, je regarde le chat, hein, je continue à regarder. Bon, visiblement, les gens sont pas hyper chaud de ta compo, de ton 11 de rêve. Bon, peut-être si on rajoute Noé dans. Allez, on enlève Ramos et on met Noé en défense centrale, pourquoi pas? Non, Ramos, c'est la classe. Ramos, tu ne veux pas l'enlever, les capitaines de mon équipe là.
Bon, okay, écoute Noé, on continue dans les petites questions. Maintenant, j'ai envie de passer, c'est les interviews réseau social. Hein. D'ailleurs, continuez vous aussi. Je vais essayer de lire un maximum de questions. On a énormément sur le chat. Merci à vous d'être présent dans le talk ce soir. Noé, niveau du digital, parce que tu sais, on est sur le digital. J'ai envie de te demander, c'est quoi ton dernier SMS, ton dernier WhatsApp? Mon dernier WhatsApp, c'est mis à part de moi. Maintenant. Alors, mais c'est à toi, Malik, on s'est envoyé des messages juste avant. C'est à toi. Eh voilà, ouais, c'est ben toi. Oui, c'est ça. Donc, je pose la question après. C'est quoi le numéro de la personne la plus célèbre que tu as dans ton répertoire? Bon, c'est facile, moi, non? Ah, Malik, je ne peux pas tout le temps te défendre là. Non. Non, ça doit être la blague de Jean-Louis merde. Boucher. C'est un ami à moi qui est maintenant président du MR. Donc, je pense que c'est lui. Quel est le joueur du Standard qui te contacte le plus? Oh, il y en a beaucoup, on s'entend bien, mais je dirais. Ouais, mais je dis trop son nom. Après, il va sentir pousser des ailes. C'est Nicolas Raskin, il m'envoie souvent des messages, mais j'ai beaucoup de messages de Obi ou Larré, on est souvent en contact. Maxime Lestienne, Samuel Bastien. Je m'entends bien avec tout le monde, donc c'est vrai que je parle à tout le monde et j'ai pas de problème avec. En fait, je parle facilement, donc c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose, on m'envoie un message. Ah, Noé, ça, ça. Je parle tranquillement, donc je suis ouvert. Donc beaucoup de gens m'envoient des messages. Bah écoute, merci Noé pour cette première partie d'interview. Reste bien là parce qu'on passe à la deuxième séquence. On arrive dans la dernière partie de l'émission. La deuxième séquence du talk, c'est bien sûr la revue de presse. C'est parti! Ouais, la revue de presse, donc c'est très simple, hein, les amis. Je le répète, si vous voulez laisser des messages en vidéo, l'adresse mail, letalkrsl@gmail.com. On essaiera de récupérer un max de vidéos. D'ailleurs, en tout cas, en ce qui concerne les messages ici sur le chat, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Merci à vous. Donc du coup, les cocos, j'ai scruté un peu la presse francophone ici de ce début de semaine. Bon, globalement, on ne va pas revenir sur la prestation du Standard de ce dimanche. Mais par contre, il y a un truc que j'avais envie de pointer. C'était les articles concernant Mehdi Carcella. Quand on regarde, par exemple, la Meuse, on parle de l'ouvre-boîte Mehdi Carcella et tout. Toujours aussi utile, la montée du belgo marocain a été décisive en deuxième période. On peut voir aussi du côté de l'avenir, d'ailleurs c'est une réflexion, tu avais été interviewé par l'avenir je pense Noé, ou en tout cas on a repris ton propos, le Mehdi Carcella qu'on veut voir. Ce qui m'amène à la question de cette revue de presse, je voudrais bien quelques petites réponses sur le chat. Qu'est-ce que vous avez pensé du retour de Mehdi sur le terrain? C'est la petite question que je vous pose, j'attends vos réponses. En attendant Noé, ben, le Mehdi qu'on veut revoir c'est celui qu'on a vu ce dimanche. C'est clair, c'est le Mehdi. Voilà, il est aimé par tout le monde. C'est celui qu'on veut voir, c'est celui qui a la joie de vivre. Quand il rentre sur le terrain, il veut jouer, il ne se prend pas la tête. Et c'est ce qu'on a vu samedi. Le coach l'avait vu la semaine, qu'il était bien. Donc, l'a fait jouer. Après, voilà, Mehdi avait eu, on sait tous, il avait eu le Covid. Il était un peu moins bien. Il avait déprimé un peu avant. Il n'était pas super bien dans sa peau. Donc, voilà, pour nous, c'est super. Je le vois de jour en jour qu'il est en forme. Il recommence à faire ses petites blagues. Il ennuie tout le monde. Donc ça, c'est le Mehdi qu'on connaît. Et c'est celui qui peut nous tirer vers le haut. Et donc oui, on le voit hein, sur le chat. Chloé, Jean-Yves, Jean-Luc, Fab qui disent tous, ouais, voilà, c'est Magic Mehdi, quoi. Enfin le retour. Bon, c'est bien. Mehdi, c'est un artiste. Et si, voilà, si lui est en forme, il peut que faire briller les autres. Ouais, Jean-Yves qui dit d'ailleurs, il doit être titulaire chaque semaine. Bon. On n'est pas coach, tu n'es pas coach, Noé, ça reste la décision du coach. Mais en tout cas, on sent que Mehdi manquait, hein, c'est sûr. Alors qu'est-ce que je lis aussi? Michel qui dit Carcella a trois Philippe dans chaque orteil. Oh, c'est méchant, Michel, hein, voyons, faut pas dire ça. Julien, Mehdi titulaire, voilà ce qu'il faut. Bah, tout le monde est unanime. Écoutez, les gars, voilà, hein, on n'est pas tous coach, mais on comprend qu'on a envie de voir Mehdi sur le terrain. C'est déjà une bonne chose parce qu'il faut le repréciser, Noé. Mehdi, bah, il a vécu quand même une année compliquée hein, avec le Corona. Il a été. Mentalement, physiquement bien touché. Ici, comme tu l'as très bien dit, on voit qu'il reprend du plaisir sur le terrain. C'est le plus important. Oui, c'est ça. Il avait, ben voilà, il n'était pas, ses meilleures formes. D'ailleurs, voilà, tout le monde le sait. Quand il est rentré, c'était pas le Mehdi que tout le monde connaît. Mais ici, il se sent mieux. Et voilà. Aujourd'hui, on a vu samedi, on a vu la différence quand on était rentré. Les défenseurs étaient embêtés quand on était là. Donc, c'est positif pour nous. C'est voilà, c'est ces minutes qui vont lui faire du bien et minute après minute. Et puis. Il va commencer à reprendre du physique et je suis sûr qu'il va nous aider dans la saison, c'est certain. Allez, je termine cette partie revue de presse avec le commentaire de Ben qui dit « Il doit enchaîner les matchs pour monter en puissance et revenir
à son niveau. Ben, au final, c'est ce qu'on lui souhaite. Donc, du coup, c'était cette petite partie revue de presse. Hein. Je voulais avoir des réponses par rapport à son retour de Mehdi. Vous avez bien réagi. Je le répète, je le re-répète. Il y a une adresse mail pour donner poser vos questions ou donner simplement vos commentaires en vidéo. C'est très simple. Smartphone, iPad, PC. Enregistrez vos vidéos comme vous le voulez. Et on essaiera de récupérer justement ces réponses. Allez, on passe à la toute dernière partie. C'est la plus importante. Je vous l'avais dit, il y avait un magnifique cadeau à remporter. C'est la partie le game. Et donc, il nous reste quelques minutes. Alors, c'est très simple. Hein. Si vous nous regardez sur les réseaux sociaux, en direct sur YouTube et Facebook, vous avez 10 secondes pour gagner ce magnifique cadeau que je vais annoncer tout de suite. C'est un rapport avec Noé. Vous aurez la possibilité, attention, suspense, pas de musique, mais c'est pas grave. Vous aurez la possibilité de gagner le maillot dédicacé de Noé Ducène. C'est pas beau, ça? Elle est pas belle, la vie? Et une bonne signature, hein, Noé? Une belle, belle signature, ouais, quand même. Hein. Je la ferai en entière, celle-là, ne vous inquiétez pas. Et le maillot ne sera pas lavé, ce sera un maillot de match, comme ça. Ah, magnifique. Comme ça, on pourra l'encadrer ou quoi. Bon, si vous voulez gagner ce beau maillot, vous allez devoir répondre à cette question tout de suite. Je vais compter jusqu'à 10, et après, il y aura un tirage au sort pour, parmi les bonnes réponses. La question, elle est là. Qui portait le numéro 10 du Standard en 2009? Noé, tu ne dis rien. Tu avais trouvé la réponse très vite, mais ça, c'est parce que tu es un pro, je le sais. Alors, je compte. 10, 9, 8. Bon, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Vous séchez? C'est facile. Numéro 10, 2009, Standard. 8, 7, 6, je vois que ça répond, hein. 5, 4, 3, 2, 1, boum, fini, time. Vous ne pouvez plus répondre, c'est fait, je vais choisir parmi, on va me dire hein, au niveau de la régie, qui va remporter ce magnifique cadeau, donc je le rappelle, ce maillot dédicacé. La réponse, je dois donner la réponse avant, c'était bien Igor de Camargo, bien joué pour ceux qui ont bien répondu. Bon, c'était facile, hein, je vous connais les gars, vous tapez sur internet numéro 10, 2009, standard, et on trouve la réponse. Tu l'avais vu, hein, Noé? Toi, tu l'avais fait sans regarder. Hein. Alors, on me dit dans l'oreillette, attention, le gagnant de ce premier cadeau du talk, c'est toi, Irina Van Nobel. Félicitations à toi, Irina. Tu viens de remporter ce beau maillot dédicacé par Noé Ducène. Irina, c'est très simple. Pour avoir justement ce beau maillot, écris-nous un petit message privé sur le compte du Standard, Facebook, YouTube. Donne-nous toute ton adresse, donne-nous toutes les informations et nous, on t'enverra ce beau cadeau. Un beau cadeau, hein, Noé, tu confirmes, hein? Bah oui, hein, c'est clair. Félicitations maillot, encore. Tu vas donner le maillot de ce week-end contre Gand quand vous aurez éclaté les gants, toi? J'espère une bonne victoire, ça fera du bien. Pourquoi pas celui-ci ou alors celui, soit à domicile un rouge, soit peut-être un blanc à l'extérieur. Ça dépend de la préférence. Hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça sera un super maillot d'un super joueur qui cartonne depuis le début de saison et je le pense sincèrement, Noé. Merci à toi en tout cas d'être venu pour cette première du talk. Bah, tu reviens quand tu veux, surtout quand j'aurai eu Nico qui va me prétendre le contraire par rapport au jeu. Avec plaisir, ça marche, on fait ça. Super, en tout merci cas. Merci à toi, Noé, et merci à vous. C'est déjà fini. Ben ouais, désolé, c'était que 20 minutes. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié regarder ces 20 minutes. Et n'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires si vous avez kiffé ou pas. Enfin, je l'espère pas. J'espère que vous avez plus kiffé que détesté. Sur l'adresse, je le répète une dernière fois, letalkrsl@gmail.com. On attend vos réponses. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Et on se retrouve la semaine prochaine, mardi soir, avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao, les amis.